Si nous reportons nos souvenirs à l'été 1914, un fait significatif marque, comme un signe avant-coureur de la guerre, la date du 4 juillet 1914. C'est en effet ce jour-là que se courait, par un temps magnifique, le Grand Prix d'Europe des automobiles sur le circuit des 7 chemins dans le voisinage immédiat de Charlie. Beaucoup de puissances étrangères participaient à cette compétition, et parmi elles l'Allemagne, représentée non seulement par ses voitures, mais aussi par de nombreux visiteurs dont la tenue civile cachait mal la véritable identité d'officiers de l'armée allemande. La course fut favorable aux Allemands, qui enlevèrent les 3 premières places. Cette victoire reçut un accueil absolument froid du public français, et quand la musique joua comme il est d'usage en pareil cas à l'hymne allemand, plus d'un parmi nous accueillit comme un affront les acclamations orgueilleuses et sans retenue des boches, saluant leurs compatriotes vainqueurs. « Ils se croient donc déjà nos maîtres », pensa-t-on. Telle était l'impression ressentie par le public français, rendu inquiet par les bruits de guerre répandus déjà dans les journaux, et bien que chacun espéra encore que ça s'arrangerait. C'est dans cet espoir que se passèrent les quelques jours précédant le 2 août 1914, jour de la mobilisation générale, date mémorable où le tocsin jeta aux échos l'appel de la patrie en danger, et où les clairons des pompiers appelèrent par leurs notes pressées les habitants au carrefour de notre paisible commune. Cette fois, personne ne peut se méprendre, c'est la guerre. Les hommes lâchèrent leurs outils et rentrèrent à la maison. Ils y retrouvèrent les femmes, déjà apeurées par la fatale nouvelle, et toutes disposées à croire encore, comme tout le monde, que les choses s'arrangeront au dernier moment. Et même si c'est réellement la guerre, dit-on, celle-ci ne saurait durer plus longtemps, 3 mois, 6 au plus. On sera sûrement là pour Noël, disent ceux qui partent. La confiance est dans le cœur de tous. Le succès de nos armes ne fait de doute pour personne. Cet état d'esprit général donne à la mobilisation un caractère chevaleresque, exubérant, qui fait de ce jour une grandiose manifestation d'union et de fraternité. À Charlie, comme partout, chaque mobilisé s'en va, sinon joyeux et enthousiaste, du moins résolu et décidé à accomplir pleinement le devoir sacré qui s'impose. La commune de Charlie voit partir ainsi tous les hommes valides de 20 à 47 ans qui reçoivent chacun l'affectation que comporte leur âge. Sur les 2 grandes lignes de chemin de fer qui desservent Charlie, les trains succèdent aux trains sans interruption. Ceux qui accompagnent à la gare les partants voient les wagons fleuris et couverts d'inscriptions, d'où reviennent souvent les mots « à Berlin ». Il semble que nos soldats partent pour une fête. Les ordres se succèdent, les chevaux aussi sont mobilisés, et sur 80 présentés à la réquisition de Saint-Genis-Laval le 4 août, 5 seulement sont jugés inaptes au service et restent à la terre. Dès lors, il est impossible de faire face aux travaux des champs. D'ailleurs, ceux-ci sont bien oubliés, l'idée est toute à la guerre. On fera, dit-on, comme on pourra faire cet hiver. Au printemps, lorsque la guerre sera finie, on se réorganisera. La récolte des pêches, très belle cette année-là, fut perdue. Il en est ainsi de la vendange également, qui, faute de soins appropriés, est anéantie par le mildiou. Les événements, par ailleurs, poursuivent leur marche inexorable. Dès les premiers jours, c'est l'envahissement de la Belgique et du nord de la France, la marche de Paris par les Allemands. L'optimisme des Français ne se dément pourtant pas. N'avions-nous pas avec nous comme alliés les Russes, qui remportaient quelques succès ? C'était l'inépuisable réservoir d'hommes, et suivant le mot lancé par les journaux, le rouleau d'écrasement. Long à se mouvoir, mais auquel une fois en marche, rien ne devait résister. Enfin, le 12 septembre, arrive la nouvelle de la grande victoire de la Marne, qui ranime notre espoir en la victoire définitive. C'est à cette époque que commence la guerre de tranchées. À partir de ce moment, il n'est plus question d'une guerre de courte durée. Chacun se rend compte qu'elle sera au contraire aussi longue que meurtrière et qu'il faudra acheter la victoire au prix d'innombrables sacrifices. Désormais, les mois succèdent aux mois, avec des alternatives de succès et de revers. Chaque année voit l'appel d'une classe. La dernière appelée, en 1918, fut la classe 1919. À partir de juillet 1915, une permission de 10 jours tous les 6 mois est accordée aux combattants. Au pays, ceux-ci sont entourés, questionnés, adulés, et pour leurs proches, combien est douloureuse le moment du départ. Chacun se demande avec angoisse, les reverrai-je? Reviendront-ils? Dans ces pénibles circonstances, il faut pourtant organiser le travail de la terre. Beaucoup de propriétaires achètent des chevaux de 2 ou 3 ans, que la réquisition leur prendra hélas, à mesure qu'ils atteindront l'âge voulu. Les femmes se mettent courageusement à l'ouvrage. Il conviendrait de citer ici le nom de celles qui, admirables de courage et de bonne volonté, assurent de leur mieux la culture et les terres. La crainte d'en oublier et des meilleurs nous oblige au silence. Plus tard, en 1917, on mobilise à la terre les classes 1891 et plus anciennes pour aider aux travaux des champs. La guerre sous-marine empêche dans de notables proportions l'arrivée en France du blé et des produits étrangers.
Par manque de bras, la campagne ne peut produire assez de denrées de première nécessité. Pour assurer le ravitaillement, le blé, le vin, les pommes de terre, le foin, la paille, le charbon sont réquisitionnés. Les municipalités sont chargées de ce travail. Afin d'éviter les accaparements et le gaspillage, il est établi une carte individuelle pour le pain, le sucre, le charbon. Chacun doit se contenter de la ration allouée, tant pis si elle est insuffisante. Le pain même est souvent immangeable par suite de sa fabrication où entre à peine 20% de farine de blé mélangée à toutes sortes de succès d'années. C'est l'adjoint au maire, M. Olagnier Charles, qui avec un dévouement inlassable préside à la distribution des denrées rationnées et au logement des réfugiés. Dure époque dont chacun garde un pénible souvenir. Mais que sont les petites misères, les privations vaillamment supportées, les restrictions gênantes qui dérangent parfois durement le train-train habituel de la vie, comparées à celles que supportent depuis tant de mois nos stoïques poilus, tantôt enlisés dans la boue des tranchées, tantôt gelés par le froid ou grillés par la chaleur, et devant se contenter en tout temps, selon les mots du poète, du seul pierreux pour lit et du ciel noir pour grange. Charlie, éloigné des champs de bataille par la distance, n'en conçoit pleinement les horreurs que lorsque la nouvelle arrive, hélas trop souvent, qu'un de ses enfants a été tué. Alors le maire de notre commune, monsieur le docteur Durand, qui assure avec un dévouement absolu le service médical dans une dizaine de localités avoisinantes, s'acquitte avec un tact admirable de la pénible mission d'annoncer aux familles le décès des soldats tués au champ d'honneur. Au mois de février 1916, Charlie change d'aspect. En partie désert depuis la mobilisation, il voit affluer des réfugiés de la Meuse et du Nord que, pour ne pas avoir à les nourrir, les Allemands renvoient en France en les faisant passer par la Suisse et qui apportent avec eux non seulement l'image vivante de leur misère morale et matérielle, mais aussi le témoignage vécu des souffrances et des ruines qu'entraîne le fléau dévastateur de la guerre. À cet afflux de population s'ajoute la venue des ouvriers des usines de guerre de Givors qui, trop nombreux pour se loger et se nourrir dans cette ville, sont transportés matin et soir à l'aide de camions dans notre commune où le gîte et la nourriture doivent leur être assurés. Depuis la grande usine jusqu'à la moindre forge, tout est transformé en usine de guerre et travaille à plein rendement. À ce moment, le moral jusque-là excellent de la population civile faiblit un peu. C'est au début de mai 1918 que des mouvements de grève doivent être réprimés dans les villes. À Givors notamment, diverses manifestations ont lieu, nécessitant l'arrivée du 28e dragon que Charlie hébergera du 24 au 26 mai, et qui fut d'ailleurs appelé au front d'extrême urgence, les Boches ayant déclenché une attaque de grande envergure. Et pourtant, si les campagnes, si les villes, si tous ceux de l'arrière peuvent invoquer quelques raisons de se plaindre, de la longueur interminable de cette guerre, que dire de ceux de l'avant, des vrais poilus, qui vivent dans la tourmente de cet effroyable drame, qui en sont les acteurs et trop souvent les victimes. Quoi qu'il en soit, vers le mois de septembre 1918, chacun pressent que la fin est proche. En Allemagne, plus encore qu'en France, on est las de la guerre. Bien des symptômes annoncent que notre ennemi est à bout de souffle. Depuis le 18 juillet 1918, Foch a déclenché la grande offensive. Chaque jour, nos poilus arrachent à l'ennemi un morceau de notre sol. Afin d'éviter l'invasion, l'Allemagne demande l'armistice. Enfin, l'aube radieuse du 11 novembre se lève, apportant dans tous les coins du pays l'annonce de la paix triomphante. Cette nouvelle est accueillie à Charlie comme dans toute la France, et pourrait-on dire dans le monde entier, avec une explosion de joie délirante. Tout le monde s'embrasse dans les rues, et chacun tient à honneur de trinquer à la victoire. Une grande ombre cependant s'étend sur ce tableau. 10 départements en ruine, 1500 000 familles en deuil. Mais à ce moment-là, chacun se sent assez courageux pour apporter sa contribution à la reconstitution des régions dévastées et le cœur assez grand pour sécher les pleurs des familles en deuil. Et puis la victoire n'apportera-t-elle pas le gage certain de la réconciliation de tous les peuples ? C'était l'espoir de nos poilus, que cette guerre serait la dernière des guerres. C'est aussi le nôtre. C'est pourquoi nous laissons aux générations futures comme un héritage sacré les noms de ceux de Charlie qui sont morts et de ceux qui ont survécu dans cette triste et douloureuse épreuve. Souhaitons avec nos morts, de toute la ferveur de nos cœurs, que désormais, seule la paix et le travail soient les flambeaux qui guident l'humanité dans sa marche vers l'idéal de bonté, de beauté, de justice pour tous. Charlie, le 20 avril 1929.